On devrait vivre un beau match aujourd'hui. Les supporters qui sont déjà arrivés en nombre dans le stade. On va suivre ensemble en direct la Belgique contre la Colombie en direct de la Rostov Arena. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Rostov pour suivre ce match de Coupe du Monde que je vais vous commenter en compagnie bien sûr de Pierre Ménès. Bonjour à tous, bonjour Hervé, et puis ben, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir attaquer. Je m'en ai un peu déprimé là quand même, c'est le fait d'être à Rostov. J'ai connu l'endroit plus sympa, et pourtant j'ai connu la Corée. Ce match, la Belgique affrontera la Colombie. Capriori en forme, on rappelle qu'elle s'est imposée à l'extérieur lors de son dernier match. Succès acquis sur le score de 3-0, les joueurs sont en confiance, ils peuvent renouveler leur performance. Diables Rouges qui ont connu une ascension absolument fulgurante ces dernières années. Oui. Après la phase qualificative pour le championnat d'Europe 2016, la Belgique s'est même retrouvée en tête du classement FIFA, à la surprise de beaucoup quand même. Alors que s'affiche la composition de l'équipe de Belgique. Alors qu'on découvre l'animation tactique choisie par l'entraîneur. Oui, il fait jouer son équipe avec une défense à 3, 4 milieux et 3 attaquants. Alors voilà, une équipe qui va jouer comme d'habitude, c'est-à-dire en mettant une grosse pression sur l'adversaire, y compris dans son camp d'ailleurs. Ouais, on a clairement un coach qui a intégré les bases du football moderne. On ne peut pas en dire autant de tous ses confrères. La rencontre qui débute à l'instant même. L'arbitre a fait signe aux 22 joueurs. Tout en déclenchant son chronomètre. C'est rare un mec qui sait faire deux choses en même temps. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Bon geste défensif, ce sera donc une touche. Oh, c'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche. Santiago Arias. Sanchez. Un bon ballon d'attaque. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Thomas Meunier. Et la frappe. Oh, c'est juste à côté. Ah non, le défenseur est bienvenu, c'est obligé le tireur à précipiter son geste. Attention, il a du champ devant lui. Rodriguez. Lukaku qui poursuit son action. Allez, le centre maintenant. La touche, le ballon a été dévié. Les 30 derniers mètres. Divock Origi. La frappe.
Et ça sort en corner pour la Belgique. Qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ballon sans souci pour la ville d'Ospina. Petit ballon lobé pour Lukaku. Radamel Falcao. Ah, la passe est interceptée, ballon est perdu. Bon, alors la première phase c'était pour découvrir des nations du monde entier. Là maintenant on est dans des choses sérieuses. Ouais, même s'il y a eu quand même des surprises dans ce premier tour, des déceptions, des confirmations. Moi, je me suis pas ennuyé. Divo Corrigui. Et il gagne quelques mètres. Rodriguez. Allez, le Colombien à l'attaque. Il s'infiltre, attention. Et le tir de Falcao. Le gardien qui répond présent hein, sur cette action. Lukaku. Compagnie. Kevin De Bruyne. Yuri Tillmans. Thomas Meunier. Divo Corrigui. Ah, la passe n'arrive pas à destination. Ça n'ira pas plus loin. Divo Corrigui. Même dans le cœur. Le Cabernet Rouge qui passe à l'offensive. Il tente sa chance de loin. Oh, c'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, il faut dire qu'il en a bien fait une bonne. Il était loin, il a trop enlevé sa frappe. On va dire qu'il a mal maîtrisé son geste, un peu de précipitation peut-être. Procès Esquerdo. Il s'avance vers la surface. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Une passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Bonne lecture du joueur, du défenseur, bonne interception. Yuri Tillmans. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Radamel Falcao. Daniel Torres. La Colombie à l'attaque. Falcao. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Il avance encore. C'est Esquerdo, bien capté par Courtois. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner les transversales et le contrôle. C'est pas toujours évident sous la pluie. Les joueurs vont sûrement privilégier le jeu court. Rodriguez. James Rodriguez. Dont on connaît la qualité de frappe, bien sûr, hein, c'est l'un de ses points forts, ce pied gauche exceptionnel. Il aurait pu le cantonner à un rôle d'ailier, genre un peu fausse patte, mais il a su aussi bien utiliser l'axe. Il peut devenir un bon meneur de jeu, mais il doit être plus sérieux. Ça va être un renvoi aux 5m50. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Attention à cette action côté belge. Oh, ça peut tout changer, s'il marque. Oh, voilà le but. On le sentait venir et il est là. Et cette équipe qui prend l'avantage, c'est mérité. Maintenant, l'idéal, ce serait de confirmer.
comme on pouvait s'y attendre. C'est l'équipe qui joue le plus, qui produit le plus de jeux, qui marque. Oui, voilà, on sent une équipe qui veut faire circuler le ballon, des joueurs disponibles, ça paye et les efforts sont enfin récompensés. Les Diables Rouges qui sont devant au score dans ce match. Sanchez. Ramos Reyes. Juan Cuadrado. Il perd le ballon. Lukaku. Divo Corrigui. Quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Argao. Il est à la récupération au milieu de terrain. De Bruyne. Bonne récupération pour la Colombie. James Rodriguez. Daniel Torres. Ben, l'intervention, changement de possession. C'est la fin de la première période de ce 8e de finale de Coupe du Monde. On peut peut-être déjà tirer quelques enseignements. Oui, on a des joueurs qui font la course en tête et qui semblent avoir pris une petite option sur la qualification pour l'écart, mais enfin ça reste à confirmer. Attention à cette action côté belge. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Allez, voilà, Pierre, pour assister ensemble à la seconde période de ce 8e de finale. Et on va vite savoir avec quelles intentions les deux équipes sont revenues sur le terrain. Ah, la bonne qualité de ses passes. Allez, peut-être une bonne occasion. Ramos Rodriguez. La passe est interceptée. Le défenseur qui stoppe net cette action. Thomas Meunier. Lukaku. Compagnie. Ils font circuler le ballon de leur camp. Et ils continuent puisque l'autre équipe ne vient pas les chercher. Lukaku. Lukaku pour créer le décalage. Très belle passe. Hazard, ça peut faire but. Ah, très joli but. Il vient à peine d'entrer en jeu. Et c'est un de ses premiers ballons. Il marque. Bravo. Le buteur qui avait bien sûr toutes les chances de marquer à cette distance. Il n'a laissé aucune chance au gardien. Ils ont à présent une avance confortable. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Un coup franc pour les Colombiens. Les sorties de gardien va pouvoir dégager.
Carlos Sanchez. David Torres. Rossi Esquiardo. Franck Fabra. Allez, les Colombiens en attaque. Le ballon dans l'axe, attention. Thomas Meunier. Compagnie. Vincent Compagnie, le Belge formé à Anderlecht. Un gabarit imposant avec son 1m93. Malheureusement, il est pas mal blessé depuis quelques temps. Oh, la bonne inspiration. Ramès, attention à lui. Ah non, manque d'application. Bon, mieux à faire, c'est sûr. Il tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Thomas Meunier. Il est sur la trajectoire. La Colombie attaque. Ah, et bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Yuri Tillmans. Mertens. Murillo. Ah, il lui rend première intention. Sanchez. Radamel Falcao. Rodriguez. Interception. Thibaut Courtois. Compagnie. Pereira Carrasco. Yuri Tillmans. Santiago Arias. Ibiza. Allez, les Diables Rouges ont la balle maintenant. La Belgique à l'attaque. Ah, bon ballon pour Eden Hazard. Ballon sans souci pour la ville d'Ospina. Eden Hazard. Eden Hazard qui fait vraiment partie d'une famille de footeux. Absolument, ses parents étaient d'excellents joueurs et puis ses deux frères sont eux aussi passés professionnels. L'attaque enrayée. Peut-être une occasion pour la Belgique. Non, ça c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ah bah, de cette distance, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour espérer quelque chose. Ou être fou. Ouais, ou être dingue. Ouais. Sanchez. Ibiza. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Radamel Falcao. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Très bon contrôle, il va pouvoir enchaîner. Ouais, ça... ouais, très bonne passe là, de De Bruyne dans l'espace. Le bon ballon pour Mertens. Et le but, que c'est beau. Ouais, il a eu le nez creux à l'entraîneur, le joueur qui rentre et qui marque tout de suite. Il n'y avait plus qu'à conclure. C'était vraiment à bout portant. Le cœur qui se creuse encore un petit peu plus dans ce match. Sauf que le score est lourd. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Davinson Sanchez. Sanchez. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ah, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Radamel Falcao. Oui, idéalement servi. Attention, choisis la frappe. Un mauvais tir, ça passe très loin du but. James Rodriguez qui va céder sa place.
Company. Et ballon perdu dans sa propre moitié, attention. Falcao. Allez, il peut marquer Falcao. Oh, c'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne. Hein. Plus que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, les Colombiens à l'attaque. Please give a round of applause for today's man of the match. Number 14, Dries Mertens. Ah oui, cherche un partenaire dans la profondeur. Allez, après tout, pourquoi pas. Le ballon dans l'axe, attention. Oh, le bel arrêt, ouais, excellent. Très très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ah, il fallait le faire. Lukaku avec un bon ballon. Oh, c'est une bonne occasion là pour Lukaku. Allez, bien s'appliquer sur ce corner. Il va y avoir du mouvement du côté des Cafeteros. En deux temps, peut-être ce corner. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer. Et l'arbitre qui libère les 22 acteurs de ce match. C'est terminé. Et une victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale. Ah, les adversaires sont abattus. Et il y a ces scènes de joie. Pierre, bien sûr. Ouais, j'ai envie de te dire que c'est encore un autre tournoi qui commence. Et cette équipe fait partie des 8 meilleurs du monde. Et du coup, bah, c'est interdit de rêver. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il a plutôt été bon hein, dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué. Mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe. Quant à lui, on ne l'a pas beaucoup vu dans ce match. Il n'a pas marqué. Et puis, sur le plan des occasions, on ne peut pas dire qu'il était très brillant. Attention à cette action côté belge. Oh, ça peut tout changer, c'est une marque. Lukaku pour créer le décalage, très belle passe. Hazard, ça peut faire but. Ah, ça peut. Ouais, très bonne passe là, de De Bruyne dans l'espace. Oh, le bon ballon pour Mertens. Le ballon dans l'axe, attention. Lukaku avec un bon ballon. Oh, c'est une bonne occasion là pour Lukaku.
On devrait vivre un beau match aujourd'hui. Les supporters qui sont déjà arrivés en nombre dans le stade. Nous allons voir évoluer le Brésil contre la Belgique en direct de la Casa Arena. Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre ô combien importante dans cette Coupe du Monde. À mes côtés, comme souvent, Pierre Ménès. Ouais, bah si je te gêne, tu le dis. Hein. Non, ça va. D'autant plus qu'on va suivre un quart de finale quand même aujourd'hui. Ah oui, c'est une place dans le dernier carré qui va jouer, donc ça devient très très sérieux. Un match dans lequel le Brésil affrontera la Belgique. On est toujours impatient hein, de vivre une Coupe du Monde. La rareté fait l'envie, et puis c'est vrai que c'est quand même un moment toujours particulier. Ouais, ok, j'avoue que j'ai fait un peu l'amour en apprenant que la Coupe du Monde se joue en Russie. C'est pas forcément un truc. Après tout, c'est une grande nation de sport, une station top. L'hôtel, il est pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Plutôt en confiance après son dernier match qu'elle avait remporté à domicile. Très belle victoire 3-0. Bon, l'adversaire d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir. Hein. Pour moi, ils ne sont même pas favoris. On a clairement affaire à une équipe qui n'hésite pas à aller presser les joueurs adverses. Ça fera quoi, Pierre ? Bon, ce que tu viens de dire, Hervé, c'est une équipe qui aime avoir le ballon et surtout qui cherche à le récupérer dès qu'elle le perd. Enfin, je dis ça, je t'apprends rien. C'est tout, c'est tout. Alors que s'affiche la composition de l'équipe de Belgique. Alors qu'on découvre l'animation tactique hein, choisie par l'entraîneur. Oui, il fait jouer son équipe avec une défense à 3, 4 milieux et 3 attaquants. Marie qui donne le coup d'envoi de ce quart de finale de la Coupe du Monde. On a vu des visages bien fermés pendant les hymnes. Tu sens que c'est pas n'importe quel match. Hein. La tête, ça. Peut-être une occasion pour la Belgique. Allez, gros danger là pour Lukaku. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air passée de gagner aujourd'hui. Les Belges qui peuvent gérer leur avance dans ce match. Facile la récupération. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oh, l'excellent pas du gardien. Là, c'est un corner hein, pour la Belgique. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Fernandinho. L'arbitre laisse jouer car les Brésiliens poursuivent leur action. Gabriel Jesus. Les 30 derniers mètres. C'était extrêmement dangereux. Très bonne intervention. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. La passe n'arrivera pas à destination. Allez, Neymar, il a le choix. Il peut jouer avec ses partenaires ou y aller tout seul. Ah, la défense qui est malmenée hein, sur cette Neymar. Non, sa frappe est bien trop enlevée. Ah, carton jaune hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Ouais, on sent que l'arbitre a hésité.
Compagnie. Eden Hazard. Eden Hazard qui s'est fait remarquer très jeune par les recruteurs lillois. Il n'a pas beaucoup hésité pour lui faire traverser la frontière franco-belge. Lille qui a découvert le football de haut niveau. La suite, on la connaît, il nous régale. Neymar. On a souvent eu des matchs exceptionnels en quart de finale. Puis il y a des matchs qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. On a quelques-uns en tête. Je vais sûrement en oublier, mais je me souviens d'un Angleterre-Cameroun assez mythique en 90. Ouais. Et d'un France-Brésil exceptionnel en Allemagne en 2006 avec un Zizou en feu ce jour-là, certainement son meilleur match sous le maillot des Bleus. Le but de Thierry Henry, c'est vrai, mémorable. Hazard. Petit ballon levé pour Mertens. Voilà, c'est dégagé, ce sera un corner à venir. Carré le gardien, au ralenti. Il est bien sur ses appuis au départ du ballon, donc l'intervention est belle. Trop de temps, peut-être ce corner. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Là, c'est Chadli. Ah, il a pris sa chance de loin. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. On revoit ce bon tacle. Ah, c'est propre, très propre. Ballon bien donné de la tête. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, il lui remet. Lukaku pour. Attention à Mertens. Oh, il ne s'est pas laissé surprendre le gardien. Corner, attention à ce coup de pied arrêté. Il trouve la surface de Bruyne. Fernandinho. On s'approche du but. Ouais, très bon tacle défensif. C'est un corner derrière. On revoit l'arrêt du gardien. Ce genre de geste qui rassure toute la défense. Ah, il n'a pas su profiter de cette occasion. Et le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, facilement en plus, à cette distance, normalement, ça ne devrait pas pardonner. Le bleu rouge qui passe à l'offensive. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Eden Hazard. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Non, pas de quoi inquiéter le gardien. Non, il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté en fait. De la tête, bien joué. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Alors, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Mertens. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pas parcelle finalement. Et voilà, il s'est fait déporter sur le côté et il sort en touche. Ça joue vite avec cette touche. Ils veulent dynamiser le jeu. Pereira Carrasco. Dembélé. Peut-être le gardien qui va essayer de s'interposer. Lukaku. Le gardien qui repousse. Ça peut revenir. Fernandinho. Neymar la frappe. Il va essayer de porter le danger.
Et l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé. Bien sauté et qui repousse le ballon. Ça n'ira pas plus loin. Peut-être une belle opportunité, attention. Le face-à-face avec le gardien. Eden Hazard. Corner. Sans compagnie. Elle s'est repoussée du point par le gardien. Le bon ballon pour Mertens. Kevin De Bruyne. C'est Eden Hazard qui fait l'effort pour récupérer le ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Impossible de prendre le gardien à défaut à cette distance. L'entraîneur qui rejoint les vestiaires, certainement satisfait. Parce que pour l'instant, ce joueur réussit à merveille ce quart de finale. Ouais, ils ont pris l'avantage. Enfin, ils ne sont pas encore qualifiés pour les demi-finales, enfin, c'est toujours ça pris. Peut-être une occasion pour la Belgique. Un gros danger là pour Lukaku. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oh, l'excellente patte du gardien. Ouais, il lui remet Lukaku. Attention à Mertens. Peut-être le gardien qui va essayer de s'interposer. Lukaku. Le face-à-face avec le gardien. Eden Hazard. Vincent Kompany. Elle s'est repoussée du point par le gardien. Pour la seconde période de ce quart de finale de la Coupe du Monde. C'était tendu en début de rencontre, on va voir si c'est pareil au retour des vestiaires. Bien ça. Attention à Mertens. Il y a le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Yeah.
Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ils ont à présent une avance confortable. Et Coutinho. Il s'avance vers la surface. Mertens. Ah oui, magnifique ça. Ah, il l'a bien enrhumé. Ouais, bien joué dans l'espace, Mertens. Ah, bon ballon pour Eden Hazard. Et tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Da Silva. Ouais, il lui remet. Ouais, il prend le meilleur sur son adversaire. Gabriel Jesus. Et le centre est pour Neymar. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Eden Hazard. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et si Batoli. Mariano. Moussa Dembélé. Et si Batoli. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Pas même des nuls. Gabriel Jesus. La chevauchée de Neymar. Fernandinho. Oh, c'était extrêmement dangereux. Très bonne intervention. Eden Hazard. Ici Batshuayi. Ah non, c'est pas bien fait ça. Casemiro. Mariano. Fernandinho. C'est une rencontre assez bizarre à laquelle nous assistons, Pierre. Perso, quand on a. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Ouais, le tacle glissé. Mertens. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Ça pourrait pas y aller, Eden Hazard. Attention à la frappe. Et non, le tir qui est contré. Sur Chadli. Bonne récupération au milieu de terrain. Fernandinho. Marcelo. Attention, ça peut être dangereux. Ah, bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile. Kevin De Bruyne. Ouais, bonne intervention dans le couloir. Ballon récupéré. Mertens. Oh là là, l'occasion. Le gardien qui repousse. Attention. Mais la claquette du gardien. Mais le répit qui sera de courte durée. C'est un corner. Le Brésil qui fait rentrer un nouveau joueur. Du cadre, cette tête. Ouais, il n'en revient pas justement parce que il s'était pas mal pris du tout. Dommage. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire.
Et l'arbitre qui a sifflé, hein, je ne l'avais pas vu hors jeu, j'aimerais vraiment revoir ça au ralenti. Et la touche, on a vu le ballon a été dévié. Kevin De Bruyne. Il choisit de répondre à une frappe lointaine. Pourquoi pas. L'attaque enrayée. De Bruyne. Ouh, il était temps. Hein. Il était temps. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Il choisit de passer par Kevin De Bruyne. Là, sur Chadli. Eden Hazard. Ouais, il lui remet. Kevin De Bruyne. Second poteau, Carrasco. Un arrêt pas facile hein, pour le gardien sur cette tête. Ouais, bien joué de sa part. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, bien joué de la part de Coutinho. Ouais, le but qui va être refusé pour une position de hors-jeu. L'arbitre central a décidé de suivre son assistant. Et un remplacement côté Brésil. Cabamini. Mertens. Mariano. La Sir Chadli. Hazard. Mariano. Firmino qui a préféré ne pas attendre qu'un coéquipier aille chercher ce ballon à sa place. Il va se battre. La chevauchée de Neymar. La frappe. C'est contré par le défenseur dommage. L'occasion de mettre le ballon dans la surface avec ce corner. Coutinho pour un. Ce sera sans grand danger hein, pour le gardien ce corner. Michy Batshuayi. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oh, c'est dangereux! Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Et corner encore, ça pousse pas mal en ce moment. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. Et le match qui s'achève sur cette belle victoire 3-0. Ça a été assez facile finalement. L'obstacle des quarts de finale franchi. Place au demi maintenant. Que dire de la prestation de Didier Hazard ? C'est le joueur en forme de cette équipe, il a marqué. En plus, il peut rentrer au vestiaire avec un grand sourire. Une occasion pour la Belgique. Un gros danger là pour Lukaku. Il lui remet Lukaku pour. Attention à Mertens. C'est parti pour la seconde période de ce. Bien ça. Attention à Mertens. Oh, il l'a bien. Ouais, bien joué dans l'espace, Mertens. Ah, bon ballon pour Eden Hazard. Le gardien qui repousse, attention.
il a du champ devant lui. Ouais, bien joué de la part de Coutinho. Allez, on est dans le dernier carré de cette Coupe du Monde.
et vous allez pouvoir suivre tout ça en direct avec EA Sports. Demi-finale de Coupe du Monde, bonjour à tous, on est avec Pierre Ménès et on va vous commenter ce match très attendu avec bien évidemment des équipes solides mais qui rêvent d'aller décrocher ce billet pour la finale. Voilà, c'est pratiquement le match le plus important de Coupe du Monde quand on arrive à ce niveau-là parce que échouer en demi-finale c'est vraiment affreux. Ouais, quand tu joues une finale, tu la perds, t'es déçu, mais bon, avec le temps ça devient un bon souvenir. Une demi-finale, tu tombes dans les oubliés de l'histoire. Tout à fait, Hervé, tout à fait. Ce match avec le Portugal qui affrontera la Belgique. Une équipe qui reste sur le plan d'opération, qui s'était imposée à l'extérieur lors du dernier match. Très belle victoire, 3-0. L'adversaire d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir. Et pour moi, ils ne sont même pas favoris. On est aujourd'hui dans le stade qui accueille les matchs du Zénith Saint-Pétersbourg. Pierre, au Zénith qui compte d'illustres supporters comme le compositeur Shostakovich ou bien l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Medvedev, je veux bien, mais Shostakovich, t'es sûr? Ah ouais, le Zénith a été fondé dans les années 20 et le compositeur n'est mort qu'en 75. Donc il a eu le temps de s'intéresser au foot et au Zénith. Quelle culture, il n'est pas de son. Voilà, vous découvrez l'équipe choisie par le sélectionneur portugais pour débuter cette partie. Et les joueurs qui vont, semble-t-il, évoluer en 4-4-2 avec une sentinelle devant la défense. Vous découvrez comme nous les 11 retenus par le sélectionneur des Diables Rouges pour débuter ce match. Et voilà le schéma tactique retenu par l'entraîneur pour ce match. Les joueurs qui vont évoluer en 3-4-3 aujourd'hui, donc on met l'accent sur la possession et surtout sur une bonne circulation du ballon. Ça y est, cette demi-finale de Coupe du Monde qui débute enfin. Avec 22 joueurs surmotivés. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah non, ballon perdu. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. Ah, il a été pris sous le feu du pressing et il a été obligé de se débarrasser du ballon. Kevin De Bruyne. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ok. Joao Mario. Rafael Guerreiro. Allez, là, c'est là. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Pereira Carrasco. Sans aucun problème. Pour le gardien de but. Eden Hazard. On s'approche du but. Oh, le ballon récupéré. Eden Hazard. Ouais, il repousse, ça joue. Oh, attention, s'il perd ce ballon. Et bien l'intervention, changement de possession. Pereira Carrasco. Carrasco. Ouais, du point, le gardien. Toujours Carrasco. C'est le gardien qui a le ballon. Ouais, facile, hein. Il va pouvoir relancer son équipe maintenant. Maintenant, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Ça part bien, action dangereuse.
Hazard, ça confirme. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux, elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. Et ce but final permet de voir ces images superbes au ralenti. La multiplication du but en central, donne assez de faire sa balle pour mettre en déporté du gardien. Superbe. Le joueur portugais qui avance. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. De Bruyne. J'ai frisson dans la défense parce qu'elle n'est pas passée loin cette balle. On voit le but qui leur permet de mener au score. Le gardien qui ne peut que s'incliner sur cette frappe puissante depuis la surface de réparation et qui finit dans sa lucarne droite. Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Chadli. Et la voilà la frappe. Merci bien. Ronaldo. Peut-être une occasion pour le Portugal sur cette phase de jeu. Et quand on pense demi-finale de Coupe du Monde, ça rappelle quelques soucoupes de Bruyne qui peut être dangereux hein, sur ce ballon. Qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Ce sont les joueurs qui se sont créés le plus d'occasions, qui marquent en toute logique donc. J'aurais un ajouté à parfait. Ils accentuent leur avance, le score qui est désormais de 2-0. Okay. La Belgique qui aura la touche. Tabaloni. Même dans le cœur. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ah non, la frappe bien trop enlevée. Là, c'est Chadli. Lukaku. Le côté rouge qui passe à l'offensive. Bernardo Silva. André Silva. Là, le ballon qui est perdu. Et ce ballon qui est perdu. Eden Hazard. Et donc pour but de balle, le contre qui est lancé. Mertens. Le gardien qui repousse, attention. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Kevin De Bruyne, ouais la frappe, et le but, magnifique.
Le ballon qui vient se loger juste sous le bar transversal. C'est son deuxième but, son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé? Il semble prendre un avantage quasi décisif. Adrien Silva. C'est parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Les Portugais sur le côté avec peu de joueurs adverses pour les arrêter. Allez, après tout, pourquoi pas. La cherche de lui. En incitant un adversaire qui récupère cette passe. On voit Portugal qui attaque. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Pereira Carrasco. Romelu Lukaku. Bernardo Silva. En 1-2. Alors comment les Portugais vont-ils la jouer cette balle? Attention, attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Oh, la barre, et ça continue. Même dans le cœur. Yann Vertonghen. La cherche à Adli. Compagnie. On a un peu de la passe à 10, hein. Ce serait bien qu'il passe à autre chose maintenant. Allez, c'est la pause dans cette demi-finale des Coupes du Monde, avec une équipe qui a quand même fait un pas du géant vers la finale, hein, me semble-t-il. Ouais, on a vu de gros retournements de situation déjà, mais si tu veux mon avis, il ne va plus leur arriver grand-chose maintenant. Carrasco, ouais, du point le gardien. Ça part bien, action dangereuse. Hasard, ça peut faire but. Demi-finale de Coupe du Monde, ça rappelle De Bruyne qui peut être dangereux sur ses ballons. Kevin De Bruyne, ouais, la frappe. Et le but, magnifique! Alors comment les Portugais vont-ils la jouer cette balle? Attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Allez, ça repart à l'instant dans cette demi-finale. L'une des deux équipes est à 45 minutes du bonheur. Ouais, le bonheur de disputer une finale de Coupe du Monde. Attention à cette action côté belge. Et on a dégagé pour écarter le danger. Kevin De Bruyne.
ce sera finalement une sortie de but. Vous voyez les statistiques du Cristiano Ronaldo aujourd'hui, très en deçà de ce qu'il propose d'habitude. Il ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, c'est moins qu'on puisse dire, et puis il n'a pas franchement inquiété le gardien adverse. On attend autre chose de la part de ce joueur. Morales. Ouais, une, deux. Ça part bien, action dangereuse. Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. André Silva. Adrien Silva. Ouais, lumineuse cette passe. Choisit la frappe. Le gardien qui rentre. Oh, la parade exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, peut-être pour les supporters adverses. Le joueur portugais qui avance. André Silva. Bernardo Silva. Nelson Semedo. Oh, bon ballon pour Bernardo Silva. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Thomas Meunier. Dembélé. Mertens. Morales. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Hazard, ça peut faire but. Oh, c'est pas cadré. C'est poser trop de questions et quand il n'est pas très intelligent, bah c'est raté. De la tête, bien joué. Le gardien rouge qui passe à l'offensive. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Adrien Silva. Ah, la passe est interceptée, ballon est perdu. Ah, c'est une perte de balle. Cristiano Ronaldo. William Carvalho. C'est un petit peu la stupe. Il prend sa chance. Non, c'est pas très bien joué. Il n'a pas cadré. Les Portugais vont procéder à un changement. Company. Dembélé. Eden Hazard. Morales. Un bon ballon d'attaque. Bien servi, Mertens. Ah, oh, c'est complètement manqué. En même temps, ils vont en faire des caisses. Bien fait pour lui. Rafael Guerreiro. Adrien Silva. João Mario. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Allez, c'est libre sur le côté hein, pour Kevin De Bruyne. Ouais, la frappe. Oh, la parade du gardien. Ça, c'est beau. Il va y avoir de l'agitation et du mouvement dans la surface. Chercher un partenaire dans la... Elle, la voilà, la frappe. La frappe contrée par le défenseur. On s'approche du but. Bernardo Silva. Elle parvient à stopper cette offensive. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre.
les 30 derniers mètres. La frappe. Oh, le bel arrêt, ouais, excellent. Très très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire. Je crois qu'il y a un joueur portugais qui va céder sa place. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire? La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Attention à la frappe. Le gardien qui repousse, attention! Il choisit la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Centre tendu. Ça a été touché, hein. Un défenseur avant de sortir, ce sera donc un corner. Il va y avoir un changement du côté portugais. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Et il gagne quelques mètres avec un tir. Ah, c'est raté. Ah, il aurait dû essayer de se mettre sur son bon pied. Un petit peu trop de précipitation. Écoutez cette ambiance. Tous les supporters qui chantent. Ah, c'est beau, hein. Ils savent que la victoire est à leur portée maintenant. William Carvalho. Peut-être une occasion pour le Portugal sur cette phase de jeu. Le tir, le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Oh oui, encore une bonne passe. Il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Ah, c'est pas fini encore. Et Benjo qui marque, c'est le but. Alors qu'il a découvert le temps additionnel, décompté 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. João Coutinho, ça part bien, action dangereuse. Non, elle a été interceptée cette passe. Eden Hazard. Et 4-0, ce sera le score final de ce match. Très belle victoire et coup de soufflé de l'arbitre à l'instant. Là, ils sont en finale de coupe. La performance de De Bruyne, on en parle un instant, Pierre. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Ça part bien, action dangereuse. Hazard, ça peut faire but. Pense demi-finale de Coupe du Monde. Ça rappelle De Bruyne qui peut être très dangereux hein, sur ce ballon. Kevin De Bruyne. Ouais, la frappe. Et le but, magnifique. Alors comment les Portugais vont-ils la jouer cette balle? Attention, attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Allez, c'est libre sur le côté hein, pour Kevin De Bruyne. Ouais, la frappe. Oh, la parade du gardien. Ça, c'est beau.
les 30 derniers mètres, la frappe. Oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Oh, c'est pas fini encore. Et les Belges qui marquent, c'est le but.
L'ambiance qui monte d'un cran à l'approche du coup d'envoi de cette finale de Coupe du Monde. Et vous allez pouvoir suivre tout ça en direct avec eSports. On va suivre ensemble, mesdames, messieurs, la finale de la Coupe du Monde avec Pierre Ménès. On va connaître dans 90 minutes, plus si affinité, le champion du monde pour les 4 ans à venir. Oui, c'est Hervé, salut à tous. Bon, après un mois de compétition, des affiches de rêve, des matchs palpitants et quelques purges aussi, c'est l'heure de connaître le vainqueur de cette 21e édition de la Coupe du Monde. Je te sens un petit peu fatigué quand même. Hein. Le mois de Russie, t'as bien en fait. Trop de caviar. L'équipe qui va évoluer plutôt en confiance. Je rappelle qu'elle reste sur une victoire à l'extérieur. L'équipe a écrasé son adversaire sur le score de 4-0. Je crois moins à leur chance aujourd'hui. Le stade Loujniki de Moscou qui abrite en temps normal deux grands clubs moscovites. Ouais, le CSKA et le Spartak. Il y avait même le Torpedo à une certaine époque. Ouais, il est un petit peu disparu de la circulation. Et en parlant de circulation, il y avait aussi le Lokomotiv de Moscou. Oh, circulation au train, excellent Hervé. Vous découvrez comme nous le 11 retenu par le sélectionneur des Diables Rouges pour débuter ce match. Alors qu'on découvre l'animation tactique hein, choisie par l'entraîneur. Oui, il fait jouer son. Elle la voilà la frappe. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Ah, le bon ballon de contre. Ah, la défense qui respire parce que ce contre aurait pu être dangereux. Ouais. L'arbitre qui a soufflé coup franc. Et l'arbitre qui applique le règlement, hein, tout simplement. Cette faute méritait bien un carton jaune. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Attention, si ça rentre. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Alderweireld, compagnie. On devrait voir quelques belles actions dans ce match avec Eden Hazard face à Thomas Müller. Ouais, deux grands talents qui sont surtout de brillants finisseurs. Le Diable Rouge qui passe à l'offensive. Il parvient à stopper cette offensive. On va peut-être assister à une contre-attaque. Mère. Emre Can. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Mesut Özil. Oh, la belle occasion. La belle occasion de faire la course en tête dès les premières minutes du match. Ouais, à la limite, c'est presque trop tôt. Il ne s'attendait pas à se retrouver si vite en position de marquer. Peut-être un contre en profondeur. Oui, bien vu. La Belgique à l'attaque. Le tir. Qui s'impose. Attention, hein, c'était qui a arrêté. Ce sont souvent des occasions de but. De Bruyne. Vincent Kompany. Ouh là là, tout le monde pensait qu'elle était au fond. Et il n'a pas réussi à cadrer cette tête. Ouais, puis je fais partie du lot parce que je l'avais senti plutôt appliqué. Müller. Attention, il a du champ devant lui. Thomas Müller pour l'occasion. Un manque d'application. Mieux à faire, c'est sûr.
Pereira, Carrasco. Dembélé. Alderweireld. Company. De Bruyne. Mesut Ozil. Ouais, l'appel de balle, il l'a vu Ozil. Timo Werner. Et le gardien qui s'est jeté sur ce ballon, magnifique. Allez, l'occasion de passer devant. Les compagnies qui dégagent et qui débarrassent. Thomas Müller. Kimmich. Emre Can. Ah ouais, bien défendu. Ouais, une finale de Coupe du Monde, Pierre, c'est le match d'une vie. Hein, j'arrive. Quand tu as joué une finale de Coupe du Monde, comme joueur, tu peux l'inscrire dans l'autre. De Bruyne, il y a un vrai danger à Kevin De Bruyne. Il lui donne ce ballon de la tête et vient buter sur la défense. Thomas Meunier. Dembélé. Le face-à. Il en a trop mal assuré cette passe finalement. Très bonne sortie du gardien qui a vraiment jailli, percuté dans les pieds. Et sans commettre de faute en plus. Petit ballon lobé pour Mertens. Le bon ballon pour Mertens. Et c'est la barre qui repousse, ce n'est pas terminé. Kevin De Bruyne. Et la voilà la frappe. Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. Ce sera un corner et ça peut permettre à cette équipe hein, de virer en tête si elle marque. Attention. Bah, pas facile pour le gardien, mais il s'est interposé. Ouais, c'est un grand jeu pour cette tête. Kedira, elle était bien placée pour intercepter cette passe. Le joueur belge, ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Ouais, il était bien trop loin pour tenter quoi que ce soit de dangereux. Oh, qu'est-ce qu'il est perso sur cette action. Les Ozil. Attention, Jean. Et le gardien qui va tenter. Timo Werner. On a failli assister à l'ouverture du score. Ah, le but lui tordait les bras, mais bon, il faudrait être un petit peu plus adroit quand même. Emre Can. Samy Kedira. Draxler. Müller. La passe est interceptée. Pas assez précise cette passe, dommage pour eux. Emre Can. La passe levée pour essayer d'alerter Hazard. Oui, il peut y aller, bien Hazard. Ouais, le ballon qui est perdu. Timo Werner. Mesut Ozil. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Il va relancer vite. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Jérôme Boateng. Draxler. Bien le secteur. Mesut Ozil. Le gardien qui va sortir. Non, elle est interceptée cette passe. Ça n'ira pas plus loin. Il y a deux équipes qui sont au coude à coude dans cette finale de Coupe du Monde. Je ne sais pas si le score va bouger en seconde période, mais il va falloir surveiller surtout l'aspect physique. Parce qu'il y a quelques joueurs qui ont l'air déjà limite.
la Belgique à l'attaque. Le tir. Kevin De Bruyne, et la voilà la frappe. Cette finale de Coupe du Monde qui redémarre à l'instant. Ouais, l'arbitre vient de siffler. Il est fort quand même. Hein. Ah, facile la récupération. Mertens. Ça part bien, action dangereuse. Il centre au second poteau. Le ballon qui est dégagé. Ce sera un corner. Tiens, un petit mot quand même sur la première période de Thomas Müller, peut-être Pierre. Je trouve qu'il a été transparent, pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en longue période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Thomas Müller. De Bruyne. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Pereira Carrasco. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Allez, corner donc. De Bruyne et Eden Hazard. Oh, c'est juste à côté! Ah, mais le défenseur est bienvenu, ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Toni Kroos qui va rentrer en jeu. Mats Hummels. Emre Can. Attention que ça peut être dangereux. Alors qu'il frappe. Pourtant dans une situation idéale pour marquer. Peut-être une légère hésitation au moment du dernier geste. Mais ça va très très vite quand même. Kroos. Un bon ballon d'attaque. Allez, il y a du monde. Les Özil. Il a buté son gardien qui était bien resté vigilant. Il y a 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le Kaku. Peut-être une occasion pour la. Allez, c'est jouable pour Carrasco. Allez, il peut faire quelque chose. Il peut certainement marquer sur ce ballon Carrasco. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ouais, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Mertens. Lukaku. Il s'avance vers la surface. Ouais, bien joué. Il se tacle dans la surface. Kompany. Lukaku. Lukaku, s'il peut frapper. Même le cœur.
Derrière un Carrasco. Oh, c'était juste et dangereux. Et le secteur. On va peut-être assister à une contre-attaque. Müller. Mesut Özil. Oh, penalty, penalty, penalty pour les Allemands. Substitution for Belgium. Coming off the pitch, number 21, Yannick Ferreira-Carrasco. Coming onto the pitch, number 30, Kevin Müller. Transforme ce penalty. J'ai parfaitement pris l'information. Alors même qu'il est le score, c'est important. Ça part bien, action dangereuse. Et ça revient dans l'axe. De Bruyne qui est seul dans le pied. Oui, la frappe. Et l'égalisation. L'égalisation qui relance complètement cette finale. Et avec cette égalisation, tout est bien sûr relancé. On peut plus voir ce qui s'est passé. Et ils égalisent donc un but partout. Koretka. Mathieu Nels. Kevin De Bruyne qui intercepte. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah, il s'est senti en danger, menacé par le pressing de l'équipe adverse. Il a été obligé de dégager un petit peu n'importe comment. Et Mertens, c'est allé vite. Là, le ballon qui est perdu. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Timo Werner. Draxler choisit la frappe. Oh, attention, c'est pas fini. Thomas Müller qui s'arrête car il a été signalé en jeu. La Serge Adli. De Bruyne. Lukaku. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ouais, c'est finement joué là de la part de Draxler. Bravo. Julian Draxler. Le duel est gagné par le défenseur sur cette action. 7 minutes. Hein. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Ouais, il peut y aller, Eden Hazard. Voilà, ça peut amener un but. Voilà, la bonne passe d'Eden Hazard dans l'intervalle. Ah oui, le but! Oh, qu'il est important ce but! Il ne restait que quelques minutes. La victoire qui se décide. Le pauvre gardien, il s'est retrouvé seul face aux deux attaquants. Il n'avait aucune chance. Hein. Oui, à partir du moment où le premier l'a fixé pour le décalage, il n'y a plus rien à faire. C'est imparable. Les Allemands, désormais menés au score alors que le match reprend. Koretka. Kimmich. Oh, sur cette interception, il vient de casser une occasion terrible. De Bruyne. Le dégagement pour éloigner le danger. Et la défense qui conserve un corner. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. Oh là là, quel manqué, mais... Ah, il en a sûrement mis des plus compliqués à l'entraînement, mais alors là... C'est clair, qu'est-ce qu'elle est moche, cette tête. On a bien dosé cette passe de la tête. Lukaku, l'arrêt qui évite le pire. Allez, il reste encore un peu de la place pour égaliser. Et s'ils veulent passer une fin de match tranquille, c'est maintenant qu'il faut marquer un nouveau but. Allez, trouve la surface de Bruyne. On a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Jan Vertonghen. Thomas Meunier. Vertonghen.
Et voilà la Belgique championne du monde. La Belgique, la petite Belgique qui va devenir la 9e nation à inscrire son nom au palmarès prestigieux de cette Coupe du Monde de football. Ouais, jusqu'ici, ils n'avaient pas réussi grand-chose au niveau mondial. Il y avait une 4e place au Mexique en 86. Et là, c'est une vraie consécration pour cette belle génération. On sentait qu'ils pouvaient faire quelque chose. Mais de là, imaginez quand même qu'ils allaient remporter le trophée. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient parié. Hein. Non, c'est sûr, mais bon, voilà, leurs individualités ont fait la différence. Dans quelques instants, on va avoir droit à un petit spectacle pour fêter le vainqueur de cette 21e Coupe du Monde. Ouais, pour clôturer l'épreuve aussi, c'est un petit côté cérémonie de clôture comme au JO. Sauf qu'ici, il n'y a pas de flamme qui brûle. Bah, du coup, le maire de Doha ne sera pas là pour reprendre le flambeau. Non, pas de flambeau. Ça n'empêche pas le maire de Doha d'être présent, hein, je crois. Bon, je serais loin, je n'ai pas vérifié. Puis comme je ne le connais pas, il y a un maire à Doha, en plus. J'en sais rien. En tout cas, là, il y a des champions du monde. Et ils vont brandir la coupe, voilà. Ils sont champions du monde. Et c'est une magnifique compétition, un mois de compétition qui s'achève dans l'allégresse pour certains. La déception pour d'autres, mais le bilan est quand même positif. Hein. Globalement, on a vécu une très très belle Coupe du Monde ici en Russie. De la traditionnelle photo pour immortaliser la victoire d'un groupe. Oh oui, ça fait un moment qu'elle est traditionnelle, cette photo, maintenant. C'est comme les photos de classe, ça prend de la valeur avec les années. Peut-être un peu plus que les photos de classe, quand même. La Belgique, en attaque. Un tir.